Quelle meilleure transition que cette démonstration de créativité pour organiser, pour ouvrir une table ronde sur la créativité au cœur de l'écosystème Internet. Alors, je vais laisser la place à Monsieur Philippe Collin, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le responsable de l'aide à l'innovation et qui donc, dans le cadre de ses fonctions à l'OP3FT, est sans cesse en contact avec l'entrepreneuriat. Philippe, je te cède la main. Merci. Et en même temps, je vais appeler les participants à la table ronde pour me rejoindre sur scène. S'il vous plaît. Marianne, Étienne et Cyril. Ou Cyroul. Ouais, Cyril. Cyril. Alors, il y a des micros et tout ce qu'il faut. Un petit point de logistique. Allô. D'abord, je me débarrasse de ma canne. Merci d'abord de nous avoir donné la parole. Le point logistique, c'est qu'on a un quatrième participant à cette table ronde qui est Scott Smith, qui nous rejoindra par Skype du Canada. Et donc, lui, il parlera en anglais. Donc, ici, on a, pour ceux qui le veulent, des équipements de traduction pour suivre ce que dira Scott. Et vous, dans la salle, vous avez des casques aussi pour éventuellement suivre en anglais et vice-versa pour ceux qui suivent en anglais, qui est la traduction des textes, enfin, non, des interventions en français. Ah. Hi, Scott. All right. Je ne sais pas s'il nous entend encore. Allô? Excellent. Alors, le sujet de notre table ronde aujourd'hui, c'est l'appropriation des nouvelles technologies dans un environnement créatif. Et évidemment, on a passé l'après-midi à montrer une nouvelle technologie, en tout cas à dévoiler un petit peu plus du voile qui couvre la technologie Froghands avec FSDL. Mais évidemment, il y a une étape supplémentaire qui est l'appropriation de cette technologie, c'est-à-dire le fait qu'elle sorte des mains des techniciens, qu'elle sorte des mains des ingénieurs, qu'elle sorte des mains des codeurs et qu'elle devienne, par la grâce, par la force des utilisateurs, des gens qui imaginent des services, des gens qui imaginent des expériences en ligne, qu'elle devienne leur technologie plutôt que celle des gens qui l'ont créée au départ. Alors, juste simplement pour vous présenter rapidement les personnes qui ont la gentillesse de nous rejoindre aujourd'hui. Et ensuite, on démarrera les débats. Alors, Marianne Feignier, bonjour. Bonjour. Marianne est webmaster, elle est aussi designer web, elle a créé de nombreux sites. Et je tiens à préciser que c'est aussi sa deuxième carrière, car Marianne a été comédienne avant. Alors, elle a un regard assez neuf plus neuf que certains d'entre nous, sur le monde de la publication en ligne. Et elle va pouvoir nous dire d'abord un petit peu sur son expérience de cet après-midi, parce qu'elle était assise parmi nous en tant que bêta-testeur. Hein, on va voir si elle a pu nous parler de son expérience de Froghands, et puis aussi nous parler aussi des conditions d'acceptation, d'appropriation d'une nouvelle technologie comme Froghands dans son métier, sa deuxième carrière de web designer. Cyril Rimbaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, Cyril a plusieurs casquettes. Il est. On a vu sa première, donc c'est une des personnes ayant développé un site Froghands, d'ailleurs deux en l'occurrence. Hein. Donc, comme quoi, il y avait trop de temps pour en développer. C'est pour la bière. Oui, c'est pour la bière. Donc, il est l'heureux auteur du site Chat Ours, et celui aussi avec la photo. Pour l'anecdote, j'ai développé un webzine qui s'appelait Les Ours en 1995. Ah oui, ça c'est. Ça sera le Froghands, l'ours. Donc 2015. C'est un thème qui revient assez souvent dans la carrière de Cyril, l'ours. Cyril est aussi enseignant à l'école de l'image des Gobelins. Des Gobelins, oui. Ouais. Je fais de l'Internet des objets. Voilà. Et à son temps perdu, il est aussi. Au CELSA aussi, voilà. Et président de Curiouser, et peut-être que tu pourras nous en parler un petit peu, qui est un cabinet de conseil en transformation numérique. C'est ça. Okay. Bah, voilà, j'en parle tout de suite. Bah, tu peux. On s'appelle Curiouser, on est une petite agence et on aide des grosses marques, des grosses entreprises à essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que ces choses-là, le numérique, le digital, l'Internet, toutes ces choses-là un peu électroniques qui sont faites pour des codeurs, justement, des développeurs et qui n'ont rien à faire dans l'entreprise, évidemment, quand vous n'êtes pas ingénieur réseau. Voilà.
Et en fait, il y a tout à faire avec ces services et ces technologies-là, à les mettre dans des entreprises pour essayer de repenser leur modèle économique, repenser, créer des nouveaux services, des nouveaux business, et faire en sorte que ces entreprises passent le 21e siècle sans s'écrouler, juste à la limite, quoi, à la sortie du 20e. Merci. Curioseur, c'est plutôt des gens techniques, c'est plutôt des... En fait, on est multicasquette. De toute façon, on vient tous du web et donc on a une approche user-centrique à fond. Donc on pense utilisateur d'abord et après on s'aperçoit qu'on pense utilisateur, la technologie est autour et après on appelle les bonnes compétences. Mais il n'y a que des gens qui connaissent quand même déjà, qui ont une bonne culture technologique, sinon ça ne sert à rien. De toute façon, il faut faire les deux. Hein. Il faut apprendre à coder, il faut apprendre à créer et quand on sait faire les deux, on sait tout faire. Donc toi, il te reste à apprendre à coder apparemment. Merci. Tu dis ça à cause de l'ours qui ressemblait pas à un chat. Merci. Étienne Candel, que ceux qui ont déjà participé aux FTC précédentes connaissent déjà, puisqu'il est le cofondateur, alors lui aussi a plusieurs casquettes, on a tous plusieurs casquettes ici, mais cofondateur de l'initiative Esther, donc qui a créé un des sites que vous venez de voir, le site de golf. Et maître de conférence au CELSA, CELSA Paris-Sorbonne, et en charge, je crois, d'un master particulier. Oui, en particulier du master médias informatisés et stratégie de communication, c'est-à-dire que je forme les futurs experts et spécialistes de communication numérique, digitale, enfin ça change de nom, mais l'image reste à peu près la même. Voilà, des gens qui vont s'occuper du rapport entre communication et informatique, globalement. Et à 16 heures perdues, Étienne a une particularité, c'est qu'il manipule des formats courts. Alors ici, on est dans le monde du cours. Des formats courts, alors courts et brefs, je ne sais pas comment tu les appelles, des formats de poésie sur Twitter. Oui, aussi. Ça, c'est la troisième partie de ma personnalité, qui est un petit peu moins impliquée, bien sûr, dans Esther et dans le développement Frogans, mais j'ai quand même un intérêt particulier sur les questions de format et sur ce qui fait, par exemple, la rencontre entre... une communication pertinente et des formats contraints et le cas d'Aester ou plutôt le cas de Frogans Technology est particulièrement intéressant de ce point de vue là aussi. Je crois qu'il y a un tropisme de ma part sur les petites choses. Et tu veux nous dire qui suivre sur Twitter? Si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sous deux aspects. Etienne _ Candel, ça c'est le compte du maître de conférence. Et l'autre, c'est Étienne _ CDL, mais c'est vraiment autre chose. Très bien, merci. Schizophrène. Et ensuite, donc... Il faut suivre aussi Aester _ FR, qui est le compte Twitter de l'initiative Aester, dont je suis. Oui, alors on va tous ces handle Twitter, on va les publier sur le feed donc, de l'OP3FT, évidemment, et sur la page Facebook aussi, donc vous pourrez les suivre à ce moment-là. Et donc nous avons live from Ontario, Canada, Scott Smith. Hi, Scott. Bonjour. Bonjour. Okay. Scott is an internet entrepreneur. Scott, vous êtes entrepreneur internet et vous voulez exploiter les futures tendances. Et vous êtes le PDG d'une entreprise qui s'appelle RockMe Inc. qui détient un service qui s'appelle Ubinames. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, donc tout d'abord, merci de m'accueillir et je suis désolé de la mauvaise qualité de la ligne. Cette entreprise a été créée il y a un an pour encourager les gens à se connecter sans fil. J'espère que... Dommage, j'ai un petit feedback en français. J'espère que chez vous, ça arrive bien. Donc, Username, ce que cela fait, c'est que cela permet aux gens de créer un profil un petit peu comme un URL. Et Ubiname peut représenter un site web sans fil ou une identité sans fil, ce qui vous permet de créer un profil et de partager des informations que vous choisissez de partager avec d'autres personnes autour de vous. Donc il y a une relation directe avec la technologie Frogans parce que vous êtes en train de commencer à réfléchir à des utilisations potentielles de Frogans avec Ubinames. Oui, j'ai découvert Frogans
à partir d'une conférence en janvier 2015 où j'ai rencontré différentes personnes et je me suis rendu compte que cette technologie avait beaucoup de potentiel. Et UbiLines et ces technologies que nous développons, elles sont assez parallèles en fait. Donc j'ai maintenu le contact avec Philippe et son équipe et j'ai commencé à mieux comprendre ce qu'il faisait. Et je suis l'un des premiers à être un détenteur de compte Frogans. Nous suivons la technologie, nous avons suivi tous les développements et nous avons hâte de voir le jour où les sites seront disponibles pour le public et nous pourrons essayer de toujours regarder comment nous pouvons exploiter le potentiel de Frogans en lien avec UbiLines. Merci. Vous avez parlé d'une idée d'utilisation d'un site Frogans avec UbiLines, peut-être dans un environnement marketing? Oui, tout à fait. L'un des gros défis qu'ont les gens en marketing, c'est que les gens qui créent des applications d'événements, c'est un marché très concurrentiel. Et l'un des talons d'Achille dans toutes ces applications, c'est leur capacité à se mettre en réseau. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis allé à un festival de start-up à Montréal il y a quelques semaines et le réseau, eh bien, il fallait porter son badge et si vous vouliez discuter avec quelqu'un de ce qui vous intéressait, eh bien, vous retrouviez dans une situation où il fallait lire le badge de chacun. Bonjour, je m'appelle Bill, bonjour, je m'appelle Scott, qu'est-ce que vous faites, etc., etc. Et ça prend 5-10 minutes de bavardage avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, ce qui vous a attiré à cette conférence. Or, si vous étiez en mesure d'avoir un profil UbiNames par le biais de l'application de l'événement, je serai en mesure de mettre sur mon profil, moi je suis entrepreneur, je cherche des investisseurs, je cherche des capitaux risqueurs, je cherche d'autres entreprises avec une capitalisation inférieure à tant de millions de dollars, et tel autre pourrait avoir mis dans son profil, moi je suis capital risqueur, je cherche, etc., etc. Et une fois que nos profils sont créés, dès que l'on est à proximité de l'événement, on a des avertissements sur nos téléphones qui nous disent par un signal, tiens, il y a 3 ou 4 capitaux risqueurs à proximité et eux, ils sont en mesure de m'identifier. Et du coup, on s'identifie sans se connaître, tout simplement parce que nos téléphones ont repéré nos profils sur l'application de l'événement. Et je pense que cela pourrait augmenter l'expérience des utilisateurs et pourrait augmenter également la rentabilité des organisateurs parce qu'ils ajouteraient de la valeur à leurs participants. Les participants ne perdraient plus de temps dans des bavassages infinis à la lecture des badges sur les vestes. Si je ne me trompe pas, donc, je participe à un salon, j'ai un profil en ligne sur une app, l'application de l'événement, et si mon profil correspond au profil de quelqu'un d'autre, je vais voir son profil qui va arriver sur mon téléphone et qui va me dire, ben voilà, Joe, il est intéressé par ton projet. C'est bien ce que j'ai compris ? Tout à fait. Chaque personne peut mettre un mini résumé sur son profil, par exemple un site Frogans, peut donner un exemple de son travail, ça peut être du texte, ça peut être des photos, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio, tout ce que vous voulez partager avec les autres, et d'autres personnes qui ont un profil similaire. Et ces personnes peuvent être à quelques mètres, jusqu'à une centaine de mètres, vous. Eh bien, merci pour cette idée. C'est une très très bonne idée pour démarrer cette conversation. Quelles sont les conditions
qui permettrait l'appropriation de cette technologie à cette conférence. Est-ce que vous avez une idée, vous, des conditions qui devront être remplies pour favoriser l'appropriation de la technologie? Et je vais évidemment poser la même question aux autres membres du panel. En fait, on en est encore au tout début. Donc la technologie FROCAN est désormais proposée aux développeurs et le browser va être disponible à différentes personnes. Et ça, je pense que c'est déjà une très belle étape. Ubiname, on est à la phase de son lancement sur le marché public. Donc je pense qu'il y a énormément de potentiel pour développer différents modèles économiques et je suis tout à fait intéressée de pouvoir partager cela avec le public pour que tout le monde puisse constater les impacts de ces technologies. Excellent. So let me ask the same question to Etienne. Eh bien, je pose la même question à Etienne. Etienne, à votre avis, à ton avis, quelles sont les conditions ou certaines conditions nécessaires à l'appropriation de ces nouvelles technologies, et je pense ici à FROGANS, mais aussi à Ubiname, telle qu'elle a été présentée par, par Scott, par les utilisateurs. Oui, on a une... en fait, dire exactement les conditions, je ne sais pas, ce qui est certain, c'est que l'une de ces conditions essentielles, c'est que cela puisse stimuler une impression de besoin ou de désir, ou éventuellement, comme on l'a ce soir, quand on fait des tests, même de volonté de voir ce que c'est, comment ça fonctionne, des choses comme ça. En fait, tout ce qui stimule un peu de mouvement peut être pertinent. De l'autre côté, ce qui est intéressant avec ce type d'intervention, c'est qu'on voit une... en fait, ce qui se passe de fait quand une technologie comme celle-là arrive, c'est des acteurs peuvent commencer à se mobiliser, à se positionner pour essayer de créer des marchés. Et donc ça va typiquement avec le fait qu'on va rencontrer des situations qui peuvent exister par ailleurs, par exemple équiper les gens de téléphones dans des événements pour qu'ils bénéficient de certaines informations ou de certains enrichissements de l'expérience, par exemple. Et là, pour le coup, la grande question, c'est quels acteurs peuvent se mettre dessus, qui a, par exemple, une expérience dans le domaine pour essayer ensuite de pousser de nouvelles réalisations avec une nouvelle technologie. Et c'est, d'une certaine manière, c'est un monde d'affaires qui doit se mettre en place. Du coup, toutes les conditions qui président à ça sont assez nombreuses. Ensuite, il y a des choses qui peuvent toujours apparaître comme de l'obstacle, par exemple, et qui sont vraiment des éléments fondamentaux pour la technologie FROGANS, comme devoir installer un navigateur, un player en plus, qui a un nom toujours un petit peu délicat comme ça, et de se demander comment cette installation pourrait être, disons, le plus indolore ou le moins sensible possible. C'est ça qui va être, à mon avis, des conditions essentielles. Parce qu'une fois qu'un monde, disons un monde numérique, par exemple, même sur le web, peut être équipé avec des adresses FROGANS et que les gens peuvent aller consulter ces contenus, il y a une certaine liberté, où tout est ouvert pour toute possibilité de création et de consultation après. Mais au niveau de ces obstacles, disons d'ordre technique ou de la représentation de la technique, et puis évidemment au niveau d'un monde qui a priori n'a pas encore de demande, il y a une question sur qu'est-ce que ça apporte. Et à ce sujet-là, il y a quelque chose qui me paraît vraiment très intéressant, c'est qu'il se trouve que ce soir on n'a pas parlé de l'opposition web contre FROGANS avec cette opposition terme à terme. On a échangé un petit peu Cyril et moi en amont de la conférence et on s'est retrouvé sur un élément important, peut-être plus intense encore chez toi que chez moi, mais le fait qu'il ne faut peut-être pas prendre le web comme d'où on part. Évidemment, tout le monde connaît le web, tout le monde sait ce que c'est que le HTML, et c'est un modèle actif pour toute personne qui entend parler de site, par exemple. Mais finalement, se dire qu'on a affaire à toute autre chose et que ce sera certainement très différent et plus intéressant, plus créatif, et peut même créer un appel d'air, pour le coup. Donner à avoir plutôt l'impression que c'est un monde nouveau ou que c'est... pas nécessairement un nouvel internet, mais une nouvelle étape ou quelque chose comme ça, peut être plus attirant que de dire avec le web vous aviez ceci, cela, désormais vous avez droit à cela ou tel autre élément. Voilà, je m'arrête peut-être là pour laisser la parole aussi à mes... Vous pouvez évidemment réagir. Oui, non, effectivement, on en avait parlé avec Étienne en amont. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu proposes FROGANS à des marketeurs, à des communicants, aujourd'hui, leur système de référence, c'est Internet.
Et donc, ils vont forcément comparer Frogans à Internet et le marketeur va dire, il est où mon ROI? Il n'y a personne dessus, ça ne m'intéresse pas. Le communicant va dire, moi j'ai un message à délivrer, il n'y a pas grand monde dessus, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, ce qu'il faut, c'est absolument sortir de cette ornière-là et essayer de penser Frogans comme quelque chose de nouveau. Et donc, penser Frogans comme quelque chose de nouveau, c'est redéfinir qu'est-ce qui est la base véritable de Frogans, qu'est-ce qui fait sa spécificité. Et la spécificité Frogans, il faudra la transformer, ça sera ça, les leviers d'activation, les leviers de propagation de cette techno. Et typiquement, si on regarde, sa spécificité, ce n'est pas forcément le graphisme, par exemple. Typiquement, moi, l'ours que j'ai fait en 5 minutes, avec du flash, il y a 10 ans, j'aurais fait un vrai chat, tu vois, voilà, parce que c'était plus facile. Il y a 20 ans, j'aurais utilisé Autorware ou Dreamweaver, je ne sais pas si certains s'en rappellent. Et c'est pareil, on aurait fait un chat très rapidement, parce que c'était facile à utiliser, à prendre en main. Donc, ce n'est pas forcément l'axe premier, ce n'est pas la créa. Ce qui va vraiment être intéressant dans Frogans, c'est peut-être l'intégrité de l'image, le fait qu'on la retrouve sur n'importe quel device de la même façon. Voilà. Ça, c'est une force très très forte qu'on n'a pas sur Internet, enfin sur le web traditionnel tel qu'on le connaît. Et donc ça, peut-être qu'on peut en faire une vraie force, un vrai axe de communication pour en parler et faire en sorte que les gens adoptent, les marques adoptent Frogans. Et là, typiquement, si on parle d'intégrité, on a des idées qui peuvent surgir. Un billet pour rentrer, un billet de train, un billet d'avion, un billet pour rentrer dans un event, et ben voilà, ça c'est idéal parce qu'on a besoin d'un code barre qui ne bouge pas. Et bien si je peux avoir ça, l'acheter d'une façon ou d'une autre, vendu par une marque sur une URL spécifique, ben c'est super quoi. Du coup, ma marque peut créer des événements qui ne pourront exister que sur Frogans et pas sur le web. Donc on peut réfléchir à ces mécaniques là, mais il faut partir vraiment de qu'est-ce qui fait la spécificité de cette technologie et pas rentrer dans des comparaisons web, sinon vous êtes déjà mort quoi en fait. Hein. Non, je suis entièrement d'accord. Moi, pour le coup, je me positionne en tant que totalement novice là-dedans. Et quand on me parle de Frogans, je vais dire OK, mais qu'est-ce que ça a de plus que le web quoi? Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, sur le web ou sur les mobiles ou les tablettes, les sites passent quand même assez bien. Pas trop à se plaindre. Enfin, il y a des tas de choses. Après, c'est peut-être plus pour le côté développeur que c'est plus compliqué, mais pour le côté client, bon, bah, ça, il ne voit pas forcément les grandes différences. C'est même pas. Je rajoute. En fait, ce qu'on a aujourd'hui sur le web, c'est 20 ans de boulot. C'est-à-dire qu'il y a en 95, moi je me souviens, hein, mes premiers sites c'était en HTML3. Donc là, on est votre version, c'est un 3.0, hein, je crois. Hein, donc on est à peu près raccord et on faisait pas grand-chose. Les images c'était des GIFs. On était en 256 couleurs. Voilà, en 640 par 480, c'est exactement ce qu'on a là aujourd'hui. C'était ça, hein, les sites web qu'on faisait en 95. Et puis 20 ans après, qu'est-ce qui se passe? On a du HTML5, du CSS3, 3, du JavaScript partout, ça bouge dans tous les sens, c'est formidable, avec des frameworks vachement faciles à utiliser. Bah voilà, c'est 20 ans après quoi. Donc là, on peut imaginer qu'on est dans les 1995 d'Internet. Hein, c'est un peu ça. Sauf que j'ai compris, si j'ai bien compris ton intervention, la vôtre, c'est mettre l'accent sur les spécificités, comme le fait que les... Pardon, ça marche pas ? C'est mettre l'accent sur les spécificités, comme le fait que les sites sont parfaitement identiques sur tous les écrans, comme la sécurité aussi. Hein, on parlait l'intégrité. Hein, ouais. On parlait de billets. On pourrait penser, en poussant un peu la logique un peu plus loin, à des papiers d'identité peut-être, hein, au Frogans, où on a comme la certitude que c'est bien le serveur qui était déclaré chez l'opérateur qui va servir les slides. Ça veut bien dire qu'on a une source authentifiée des sites, et ça peut être utilisé dès qu'on a besoin d'authentifier la source. Et puis, si on va même plus loin, regardez, c'est quoi le futur, c'est le présent d'Internet sur lequel tout le monde est en train de travailler, enfin les gens qui essayent d'aller un peu plus loin que le web de base, c'est l'Internet des objets, l'Internet of Things. Vous imaginez Frogans avec ses petites widgets site web, slide. Vous imaginez qu'ils puissent lire toutes ces datas qui vont être récupérées par en domotique, par des capteurs, hein, qu'on pourrait trouver n'importe où. Ça c'est intéressant parce que du coup ça deviendrait sécurisé. Moi je préférerais finalement passer par ce type de techno que passer par du web où là y a des trous partout, mes data je sais pas où elles vont, je sais pas comment je vais les recevoir. À partir du moment où j'ai directement un objet qui va balancer ça sur un serveur qui serait protégé avec une techno qui serait plus sûre que la techno web classique, je suis peut-être un peu plus rassuré quoi. Et donc je vais peut-être plus utiliser des outils domotiques ou de l'internet des objets tout simplement.
Donc en l'occurrence, donc on parle de Froggans, mais ça pourrait être d'autres technologies pareilles, hein, mais dans le cas de Froggans, la portabilité, la sécurité, l'internationalisation des adresses aussi peut-être. Oui, je pense que là-dessus, il y a tout un ensemble d'éléments qui ont d'ailleurs été pas mal touchés du doigt par l'OP3FT toutes ces dernières années, sur des éléments de contexte dans lequel on est aujourd'hui et qui emportent avec eux pas seulement une description du monde, mais aussi un jugement ou une idée de est-ce que c'est bien ou pas bien, par exemple. Typiquement, l'Internet des objets, c'est à la fois quelque chose que les gens, de façon nébuleuse, se représentent comme une opportunité, et puis, de façon très aiguë, en revanche, se représentent comme un danger. Du coup, quand il y a un discours sur la sécurité, c'est l'un des angles par lesquels il peut y avoir, non pas nécessairement une adoption, mais en tout cas un argumentaire. C'est déjà pas mal. On a le même genre de choses, justement, à propos de cette dimension, cette volonté d'internationalisation des codes graphiques et notamment des codes linguistiques avec Froggans, puisqu'on se rend compte une fois de temps en temps que le web ou l'internet même dont on parle le plus fréquemment, c'est surtout celui de l'Occident, celui des énormes réseaux et des débits toujours plus importants, avec des appareils qu'on renouvelle tous les deux ans. Donc il y a effectivement des représentations qu'on peut activer sur quel est l'état du monde dans lequel on est, de quoi les gens, quels objets ont-ils à disposition, et du coup, quelles sont les opportunités, pas seulement pour toucher ces gens-là, mais aussi éventuellement pour transformer un petit peu la façon dont actuellement, quand on construit un site, on se comporte. Là où on le voit très bien, c'est le succès des logiciels de blocage de publicité vient en partie du fait que les publicités finalement sont très lourdes, que les données qui en permanence circulent de nos appareils, qu'on le veuille ou pas, sont quand même très importantes. On sature les réseaux au fur et à mesure qu'on les rend plus puissants, et si soudain on se retrouve avec des petits objets dont en plus on est responsable comme éditeur ou comme auteur, et non pas avec des gros volumes et des surmultiplications des puissances nécessaires, là aussi il y a quelque chose de pertinent. C'est-à-dire que à partir d'un état du champ, on peut créer des allégations, des valorisations, des mises en valeur de propriétés qui ne sont pas seulement techniques, mais qui concernent la société. Expliquer les termes valorisation, pardon, dans ce contexte. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme argument pour une technologie à un moment donné. Ça ne signifie pas qu'on va être que le discours est déterministe. C'est pas parce que je dis vous avez besoin d'objets sécurisés ou de navigation sécurisée que tout le monde va se mettre à la sécurité. On sait que les gens ont qu'il y a un coût personnel en fait à aller par exemple vers une solution de sécurité efficace. Mais de l'autre côté, c'est un discours, c'est une représentation, c'est quelque chose qui peut effectivement circuler et qui, une fois de temps en temps, apparaît vraiment de façon criante. Donc, d'une certaine manière, pour ceux qui poussent la technologie et notamment le fonds de dotation, et puis je pense pour tous ceux qui, dans l'écosystème, pourront être intéressés à cette technologie, il y a un intérêt à dire regardez où vous en êtes, quelles sont les conditions de sécurité, quelles sont les mises à jour dont vous êtes victime, tous ces... parce qu'on est quand même victime de ses propres mises à jour dès qu'on trouve un Wi-Fi, hein, manifestement, c'est la manie des téléphones modernes. On peut jouer sur des reconfigurations ou des transformations dans le jugement ou dans le rapport qu'on a aux choses. Si par exemple, il paraît tout à fait naturel à quelqu'un, dès qu'il a un Wi-Fi, que le téléphone se mette à jour automatiquement, que le cloud aille pêcher toutes ses photos pour les mettre dans un espace supposément sécurisé, c'est des choses qui peuvent être tout à fait dénaturalisées. Justement à l'occasion d'un scandale de piratage ou tout simplement du fait que la batterie est encore vidée une nouvelle fois alors qu'on n'a quasiment rien fait avec son téléphone aujourd'hui. Je rebondis sur Marianne peut-être, sur quelles sont pour toi Marianne les conditions d'appropriation d'une nouvelle technologie comme Froggans dans l'environnement de publication sur Internet. On a parlé de discours, on a parlé de positionnement sur des points particuliers, on pourrait parler aussi des outils peut-être pour aider à la créativité ? Pour la création de sites ? Oui, par exemple. Bah, moi, c'est vrai que pour créer mes sites, je me sers de CMS, je passe par WordPress. Donc là, aujourd'hui, c'était intéressant pour moi de découvrir quand même un peu de langage, de code. C'est vrai que ça me semble très accessible. Ça m'a, là, en une heure ou deux heures de temps, je pense qu'on peut rapidement arriver à faire des sites.
Maintenant, à voir, est-ce qu'il y a un gain de temps véritable ou pas ? Enfin, moi, en tant que créatrice, ça va être la question que je vais me poser. Moi, avec un CMS, je peux aller très, très vite avec une multitude d'outils. Alors, est-ce que Frogan, ça a envie de se développer aussi à ce niveau-là ou rester que dans un langage, donc dans du code pur ? Alors, ça, c'est une bonne question. J'en profite, j'ai le micro pour répondre. Le rôle de l'OP3FT, c'est de mettre à disposition un standard et un langage. Donc là, on a une démonstration du langage, j'allais dire, à l'état pur, en fait, hein, avec du code. Mais la réalité, c'est que dans l'écosystème, il y aura des gens qui vont prendre ensuite le lead, en fait, pour développer des outils auteurs, pour créer des CMS, pour créer des WordPress, pour créer des outils qui vont faciliter avec des interfaces simples, comme des interfaces WYSIWYG, donc où je peux manipuler des objets au lieu de manipuler du code, et de faire en sorte que la création d'un site soit d'abord plus intuitive que de taper des commandes, enfin, que de taper du code dans un éditeur de texte, même si on a vu avec quelle dextérité ça peut être fait. Mais surtout de voir immédiatement le résultat et de pouvoir ensuite enrichir très simplement de manière incrémentale les sites. Donc le processus de création va devenir de plus en plus simple. Là, on a profité que c'était la première conférence où on montrait FSDL pour aller dans le cœur des choses. Et évidemment, avant qu'on puisse livrer les librairies logicielles qui composent d'ailleurs Frogan's Player aujourd'hui, pour les livrer à d'autres pour qu'ils puissent créer des outils auteurs, pour qu'ils puissent créer des systèmes d'information qui utilisent des parties de FSDL et des parties de Frogan's Player, eh bien, dans un premier temps, on a choisi de montrer le détail. À terme, il y aura très très peu de gens qui vont écrire des sites Frogan's avec du code comme on l'a fait cet après-midi. Voilà. Mais du coup, parce qu'aujourd'hui, les CMS, on a quand même pas mal de contraintes. Donc est-ce que du coup, ce genre d'outil permettrait d'avoir quand même beaucoup moins de contraintes et d'être. Est-ce qu'il y aura un avantage à ce niveau-là ? Alors, là encore, l'OP3FT n'est pas en mesure de répondre à ces questions parce que ce n'est pas nous qui allons c'est les l'idée, créer. Enfin, dans l'idée, mais, alors, nous, en revanche, notre rôle, c'est de faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour des tiers. Donc en fait, rappelle-toi, pour l'écosystème, hein, c'est-à-dire les gens qui vont créer des outils, d'avoir des morceaux de code qu'ils vont pouvoir installer dans leur système à eux pour rendre la vie plus simple à des gens qui créent, comme donc les designers. C'est à eux de savoir quel type d'outils construire, comment le faire, quel type d'interface, quelle couleur mettre, ainsi de suite. Mais on sait déjà qu'il y en a plusieurs qui regardent et qui nous ont posé beaucoup de questions sur la disponibilité des librairies logicielles, qui sont ces petits bouts de programme qui vont être utilisés un peu comme un moteur sur le capot, pour pouvoir faciliter la vie des designers. Donc, je ne veux pas répondre pour eux, mais je pense que oui, il y aura des outils très simples. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que alors, l'évocation du CMS est vraiment, je trouve, assez pertinente justement pour bien marquer le rapport entre une technologie et un public. Et le moment où en fait, des systèmes pour gérer les contenus comme ça apparaissent, ou apparaissent aussi des templates, donc des formats standards qu'on peut reprendre, modifier, personnaliser, c'est un des moments où soudain, par exemple, c'est typiquement le genre de choses qui plaît aux médias, mais qui fait que quelque chose est fêté. C'est-à-dire que le blog un blog, ça existait avant les grands CMS de blog, mais c'est vraiment le moment où il y a eu les grandes plateformes de blog qui se sont développées, qui a vu fleurir toutes les unes de presse. On va être tous auteurs, tout le monde peut faire son blog. Ça date il n'y a même pas 10 ans, ça, hein, quand même, hein, ah, faut oui. Le savoir. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il n'y avait pas de CMS, il y avait des frameworks, je ne sais pas si vous vous rappelez, des espèces d'outils qui vous permettaient, des fois même en WYSIWYG, de faire des sites web. Le code était pourri, il y en avait un, Microsoft avait fait ça, c'était vraiment dégoûtant. Quand ça s'appelait front page, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'était sale. Et puis il fallait repasser derrière. Enfin, non, ça servait à rien. Autant le faire à la main, ça allait plus vite. Donc à l'époque, on faisait ça avec des éditeurs de texte, hein, tout simplement. Parce qu'on n'avait pas le choix, il n'y avait rien. Et c'est vrai que quand les CMS sont arrivés, bah, du coup, tout le monde est devenu auteur, tout le monde a pu se saisir et créer son petit morceau de site web. Mais avant, c'était réservé quand même aux développeurs, quoi. Alors évidemment, ça se professionnalise.
disait. Hein. Au début, avec les développeurs qui faisaient un peu de créa en même temps, enfin des gens un petit peu bizarres. Et puis après, il n'y a eu que des développeurs d'un côté, plus les créas, et puis de temps en temps, ils se mettaient d'accord sur la couleur de la page web. Et puis après, tout le monde a pu faire son site web, et ça, c'est intéressant. Oui. Même dans ces cas-là, il en faut pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu as à un moment des possibilités d'aller attraper des petits modèles, etc., tu te retrouves avec une sorte de, mettons, une Frogensphère assez uniforme, puisque, mettons que tout le monde utilise les mêmes modèles, avec les mêmes défauts, hein, en termes de propreté du code, à la limite, c'est même pas très grave. Et finalement, quand on se souvient de tous ces sites un petit peu médiocres, disons, qu'on a pu fréquenter, c'était aussi un moment avant, justement, l'apparition de certaines plateformes. Ouais, on va revoir des gifs avec des flammes qui tournent et des trucs en 3D, là, comme ça. Ça va être cool. Non, mais il n'y a pas d'animation en Frogans, donc déjà, ça, on l'évite. Enfin, je pense que c'est en discussion. Mais... Non, mais c'est là où ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas réinventer l'Internet. Il ne faut pas réinventer le web. Et de toute façon, on ne pourra pas. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver les spécificités de Frogans. Typiquement, avec le web, on a perdu des choses qu'on faisait avec le CD-ROM. Moi, j'ai bossé dans le CD-ROM avant de bosser sur le web. Et typiquement, les notions de transparence, on les a perdues avec le web. On était dans un carré. Et voilà. Il y a eu quand même une époque en JavaScript des pop-up transparents qui existaient. C'était vers les années 98, avant que ça soit rationalisé. C'était de la pub. Hein. Mais c'était des pop-up qui étaient détourés comme ça en transparent. Donc on pouvait s'amuser un peu avec, mais ça a duré quelques années et puis après ils ont arrêté. C'était très sale et c'était très lourd. Mais avec des gifs de 156 couleurs, ouais, enfin, c'était pas très beau. Mais on a perdu ça avec le web. Là, on le retrouve. Ben, on peut faire plein de choses avec la transparence. Qu'est-ce qu'on peut faire en créa avec de la transparence? Vous imaginez voilà, en mettant des Frogans les uns sur les autres, en les assemblant, en créant des systèmes comme ça. Il y a plein d'idées à avoir, en fait, mais on ne les a pas aujourd'hui. Il va falloir commencer à les creuser, ces idées-là. Et ça, c'est des axes vachement intéressants. La forme, c'est une spécificité de l'opacité aussi, est vachement intéressante. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'opacité? On ne peut pas faire ça avec une page web, c'est très difficile. Enfin non, vous pouvez pas. Votre navigateur, il est pas transparent, quoi. Votre page, elle est blanche, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Imaginons alors, des nouvelles choses. Donc, on a des débuts d'idées là. On voit que, on sent que ça germe un peu dans tous les sens. C'est la mon sécurité. Boulot, hein. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. J'en profite pour me tourner vers Scott. Scott, can I ask you if you have any ideas? Scott. Des idées pour permettre à la diffusion de la technologie Frogans. Au-delà, bien évidemment, de l'usage dont vous avez, que vous avez évoqué tout à l'heure. Yes, there's been a long time between the conversations, so again, I'm not quite. Alors, désolé, hein, je crois qu'on est légèrement désynchronisé. Alors, quelques commentaires à propos de l'Internet des objets que vous évoquiez tout à l'heure. Aujourd'hui, on est de plus en plus connecté avec des objets intelligents, que ce soit les voitures, téléphones. Je crois que c'est un écosystème qui est complètement nouveau. Imaginez, vous avez un profil, n'est-ce pas? Vous avez votre profil avec vos intérêts personnels, vos hobbies, qui peuvent ensuite renvoyer vers un site Frogans, vers des photos, de la vidéo. Mais si on réfléchit à la technologie, qu'en est-il de la proximité et de la détection? Lorsque vous avez un appareil ou plusieurs appareils, qui sont proches les uns des autres, ils peuvent commencer à communiquer. Donc lorsque vous créez votre profil, ce profil voyage avec vous. Donc je parlais tout à l'heure de Montréal, et où j'ai créé un profil, et j'ai ensuite pu y rajouter d'autres profils. Imaginez, j'étais à Montréal, où j'étais avec des investisseurs, avec des startups. Et lors de la conférence, on peut se connecter directement aux personnes qui sont à la conférence, susceptibles de s'intéresser à ce que vous faites ou auxquelles vous vous intéressez. Vous sortez de la conférence, vous allez au restaurant. À ce moment-là,
vous avez la possibilité de couper une partie du profil et vous pouvez passer à une autre sous-partie de votre profil, par exemple pour trouver un restaurant pour aller manger le soir. Comme ça, les personnes que vous avez croisées à la conférence ne savent pas ce que vous faites le soir. C'est le même profil. Vous pouvez avoir un routeur, vous pouvez communiquer cela à des objets qui sont chez vous, votre voiture, votre machine à café, votre frigo. Tout cela peut faire partie de votre profil et vous allez pouvoir contrôler tout cela. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et extrêmement important. Aujourd'hui, il y a énormément de signaux qui passent entre appareils qui sont difficiles à gérer. Avec un profil, vous pouvez gérer tout ce contenu de manière centralisée. Donc, vous avez tout d'abord une sécurité beaucoup plus importante. Donc là, c'est une partie vraiment très importante. Avec la technologie Frogance et la prévalence de Frogance, je pense qu'on va pouvoir construire des environnements plus robustes, mieux protégés, notamment donc dans un monde de l'Internet des objets. Il se passe énormément de choses et en tant qu'entreprise, c'est la vraie question, c'est en fait le temps qu'il faut pour mettre ces produits sur le marché, c'est l'acceptation du public aussi, tout dépend du public que vous visez, ça c'est important, donc tout cela doit être pris en considération. Mais concrètement, il y aura de nouvelles opportunités, certaines de ces opportunités qu'on ne perçoit probablement même pas encore aujourd'hui. Mais je crois qu'à l'avenir, on peut s'attendre à des usages extrêmement divers et différents. Donc je pense que, notamment à cette histoire de profil, je pense qu'il y a énormément d'avantages à en tirer. Alors lorsque nous avons parlé avec les autres intervenants ici, on parlait de l'acceptation de la technologie, ils ont évoqué un certain nombre de choses, notamment le positionnement de ces technologies et comment la technologie était vendue, ainsi que les outils qui étaient conçus autour de cette nouvelle technologie. Alors, à propos de UbiNames, quelles sont les différentes actions entreprises chez vous pour travailler justement ce point d'acceptation? C'est une bonne question, c'est quelque chose qui a été complexe depuis le début. Vous savez, une nouvelle technologie, surtout avec de la complexité, et c'est le cas en l'occurrence, il faut du temps. Nous nous sommes rencontrés l'année dernière à Namescom. C'est là que j'ai appris, que j'ai connu la technologie. Nous avons ensuite commencé à parler avec Wireless Technologies. Et depuis, croyez-moi, ça a été les montagnes russes. Il y a eu tellement de business cases différents. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a de vraies opportunités, de véritables opportunités dans la grande distribution, par exemple. Avec la possibilité, par exemple, d'envoyer... Est-ce que vous m'entendez toujours? Vous avez, par exemple, la possibilité d'utiliser des technologies où vous allez pouvoir envoyer des informations et recevoir des informations, que ce soit dans les communes, que ce soit dans les municipalités, que ce soit dans les pharmacies, les écoles. Il y a énormément de possibilités pour communiquer avec ce type de balise. Je pense également... à l'événementiel, par exemple. Imaginez un événement qui est organisé où se rendent des gens qui ont un intérêt commun, que ce soit de la course automobile, que ce soit un concert, que ce soit un rodéo, peu importe. Les gens qui se retrouvent à un moment donné à un endroit,
ils vont parce qu'ils partagent un intérêt. S'ils ont tous leur Ubiname et souhaitent partager, eh bien, les gens qui partagent le même intérêt que vous, vous allez pouvoir vous connecter avec eux directement. Vous pouvez, vous pouvez les identifier, les reconnaître, vous pouvez partager votre expérience, vous pouvez leur envoyer des messages en messagerie privée, en messagerie instantanée. Alors évidemment, tout cela, c'est complexe, hein, c'est extrêmement compliqué, c'est un vrai challenge, mais nous comptons bien le relever, ceux qui ont adopté parmi les premiers la technologie Frogance. Il faut travailler sur des use cases et des use cases qui au final serviront votre public. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur l'application qui va tuer tout le monde, réussir et qui va battre toutes les autres? Est-ce que concrètement, que faites-vous? Est-ce que vous avez travaillé sur cela avec vos utilisateurs? C'est effectivement pas évident parce que des applications, il y en a beaucoup. Nous travaillons avec un certain nombre d'entreprises en ce moment qui vont donc travailler sur la technologie et vont développer des applications pour des usages, des cas d'usage donnés. Donc, on ne peut pas développer des applications pour la grande distribution. On ne peut pas commencer à faire cela. Ce n'est pas possible parce qu'il y en aurait tellement, il y aurait tellement de spécificités que cela n'est tout simplement pas possible. Mais par contre, nous souhaitons fournir les outils qui peuvent permettre à ces différents secteurs d'utiliser notre technologie afin d'améliorer l'expérience de leurs utilisateurs. Alors pour répondre, la killer app, l'application qui battra toutes les autres, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais bon, on y sera peut-être un jour. Là, on parle de l'application, ce qu'on appelle le killer app. Vous avez peut-être une réflexion sur la nécessité d'avoir cette killer app. Oui, je pense que notamment quand Frogance va passer à l'étape dynamique, hein, c'est donc la capacité d'intégrer des données issues de bases de données à l'intérieur des petits sites, c'est le moment où il va falloir montrer ce que la puissance de ces Frogance, et c'est le moment où il va falloir essayer de... Alors après, nous, Étienne comme moi, on travaille beaucoup avec la publicité, le marketing, la communication. Donc on sait bien que les journalistes sont très aiment bien ce qui est croustillant, et donc quelque part la killer app permettrait de symboliser tout le potentiel latent de Frogance. Donc avoir une idée alors laquelle, je sais pas, hein, mais il faudrait une killer app qui justement reprenne toutes les spécificités de Frogance sans tomber dans l'écueil d'essayer d'imiter le web, qui serait l'écueil absolu, parce que sinon le journaliste, la première chose qu'il fera lui, c'est de comparer ça à Internet, hein. Internet traditionnel qu'il connaît lui, quoi, c'est-à-dire Facebook. Ou YouTube. Ce qu'il faudrait, c'est trouver vraiment une app qui permette de présenter ces spécificités-là, donc le côté intégrité de l'image, de la data, le côté aussi dont on n'a pas suffisamment parlé là tout à l'heure, c'est le fait que quand vous publiez votre Frogance, si vous éteignez votre serveur, il n'y a plus de Frogance. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on retombe dans la vraie idée d'Internet du départ, hein, qui était vos sites web, ils sont sur des serveurs. Si vous éteignez le serveur, il n'y a plus de site web, il n'y a plus d'Internet. On a un peu oublié ça parce que maintenant, tous les sites web sont sur le même serveur. Vos comptes Facebook, ils sont sur Facebook. Vos comptes YouTube, vos vidéos YouTube sont sur YouTube. Donc, vous éteignez votre bécane, votre contenu, il reste en ligne. Mais à une époque, ce n'était pas ça. Donc, on retombe sur cette notion-là, qui est une notion quand même très, très intéressante. Il y a des choses à faire avec ça. En termes d'événementiel et justement de rencontres entre des personnes dans des lieux, y a non seulement l'intégrité qui compte beaucoup pour celui qui publie un contenu sur un site Frogance, mais aussi le fait qu'il a un contrôle dessus et qu'il peut décider de supprimer un site après un certain temps. Le site ne peut pas être retrouvé, archivé, etc. Et ça donne un pouvoir qui aujourd'hui est tout à fait contraire à ce qu'on a sur le web. C'est-à-dire que tu veux dire Frogance pour les hommes politiques? Par exemple, Frogance pour les hommes politiques. Alors là, ça permettrait d'éviter la médiatisation d'un certain nombre de bourdes, mais le fait qu'un contenu ne puisse pas être retrouvé, c'est pas nécessairement un défaut. A priori, on se dit, si je peux pas télécharger, sauver le contenu, c'est dommage. Et en même temps, dans certaines situations, au contraire, justement, pour quelque chose qui est très événementialisé, très
contraint dans le temps, sur un temps très court, ça c'est vraiment une opportunité qui peut se déployer sur un plan marketing, quelque chose vaille pendant un temps et pas après. Sans pour autant s'équiper par exemple de systèmes de DRM ou de systèmes d'autorisation qui vont durer pendant un temps et qui pourraient être contournés. Là pour le coup, si le contenu n'existe plus, ça veut dire qu'on ne peut plus le consulter, c'est quand même assez riche, c'est assez intéressant. Et aussi une notion qu'on n'a pas abordée, enfin peut-être que vous l'avez fait dans les sessions ultérieures, mais c'est, Frogan, c'est pour du B2B ou du B2C? C'est-à-dire qu'à un moment, moi je suis un internaute lambda, ce que j'étais au début, hein, quand je faisais mes sites web, mais j'avais accès à Internet, je pouvais mettre mes... Bon, j'avais de la chance, j'avais accès au serveur de mon université, puis je mettais mes sites, c'était gratuit. Il y avait mon modem 14.4, il y avait Club Internet, c'était même pas Club Internet à l'époque, c'était... avant. Ça devait être CompuServe. Mais bon, bref, il y avait quand même un petit abonnement à payer, mais on passait par le téléphone, c'était... tout le monde pouvait y aller. Là, Frogan, si héberger un site, ça coûte cher, ça risque d'être compliqué. C'est-à-dire, si tout le monde ne peut pas le faire, c'est compliqué. Quelle va être la charte de ceux qui vont héberger les noms de domaine? Est-ce qu'à un moment, ils vont dire, oui, on autorise la publicité ou pas? C'est aussi, quand la pub est arrivée, j'étais avec le mini-réseau, là, il y avait Usine qui s'était déclenchée. C'était des initiatives pour lutter contre la publicité qui arrivait sur Internet et qui allait tout bousiller. Nous, on voulait garder finalement ce petit précaré de liberté absolue qui était Internet, le web de ce, quand je dis Internet, le web de cette époque. Et donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui va se passer avec Frogan? Est-ce que directement on se dit Frogan c'est pour du B2B, c'est pour des marques, c'est pour des entreprises, et tant pis pour les technos moyens qui eux l'installeront hein, parce qu'ils ont besoin de leur billet ou autre chose. Ou est-ce que Frogan, on autorisera aux gens l'expérimentation par les gens qu'on ne connaît pas? Alors peut-être qu'Étienne nous Tu répondras mieux que moi, je pense. Je suis là pour animer, mais Frogans est essentiellement au sens de l'essence de Frogans, c'est de redonner la main à tout le monde. Hein, donc les marques, les gros business, les petits business, les individus, les associations, les gouvernements, tous ceux qui veulent publier du contenu. Ont accès à et Edward Snowden aussi. Pardon. ont accès à une technologie. Assange. Voilà. WikiLeaks sur. ont accès à une technologie gratuite qui leur permet non seulement de publier, et ça c'est l'aspect donc éditeur de sites, donc publier les sites qui sont donc accessibles à tous. C'est la promesse de Frogans, mais aussi d'éditer des services et que ces services eux-mêmes soient utilisés par d'autres pour publier. Des propres sites. Donc, dans le cas que tu citais, c'était par exemple, créer un service d'hébergement de sites Frogans qui va permettre, par exemple, à d'autres personnes, des individus qui n'ont pas la capacité ou le savoir technique, de eux-mêmes, en deux clics, disons, de pouvoir publier leur propre site. C'est-à-dire qu'en fait, ça crée. La chaîne de valeur qui va permettre à certains de publier, à d'autres d'aider d'autres à publier, et ainsi de suite. Mais tu vois, quelque part, la killer app, tu peux la voir comme ça. Hein. Tu demandes à un Assange ou à un Snowden de faire leur petite app et de créer leur nom de domaine, Snowden at, enfin étoile. Mm-hmm. C'est bon, quoi. Les gens, déjà, ils identifieront immédiatement Frogans a une sorte de liberté et de possibilité de non-contrôle par des grandes marques, par des lobbies, par des États. Mais après, il faut oser. Faut avoir les épaules pour faire ça. Quoi. Mais là, tu l'as en ton taquet. On a une idée de killer app déjà. Mais juste, j'espère que cet élément de réponse était clair. C'est du B2B, du B2C, du B2B2C. Enfin, toutes les variantes possibles. Il n'est pas interdit qu'un grand acteur de l'internet ou de l'hébergement. Tout à l'heure, on a parlé d'hébergement. Les techniques d'hébergement de sites Frogans sont exactement les mêmes, sont similaires à ceux de l'hébergement de sites web. Donc, ce ne sera pas plus cher ou moins cher, ce sera la même chose. Un site Frogans, on l'a vu tout à l'heure cet après-midi, c'est un ensemble de fichiers. Ces fichiers sont stockés dans une arborescence. Cette arborescence peut être sur n'importe quel type de serveur. Et les technologies qui vont tourner ces serveurs sont les mêmes que les technologies, en tout cas aujourd'hui, de web. Dans le futur, dans la technologie Frogans, il est prévu la possibilité d'utiliser des protocoles de réseau différents
hein, donc des modes de communication différents que ceux qu'utilisent le web aujourd'hui. Et donc on pourra imaginer, je sais pas, des serveurs Froghands qui marchent sur Bluetooth ou que sais-je encore. Donc on pourra dépasser l'environnement technique qui existe aujourd'hui pour de nouveaux applications. Mais ça, c'est un peu, on va dire que c'est un peu plus tard. Et donc, ce sera une nouvelle génération de killer apps. J'aimerais bien répondre quand même parce que je n'aurais pas du tout répondu ce que tu as dit. Mais précisément, tu poses la question de l'utilité sociale globale, c'est-à-dire même un peu politique ou sociale au sens en quoi ça bénéficie à la société et pas juste à un ensemble de... Le web, c'était ça à l'origine. Je comprends tout à fait. Alors, de ce point de vue-là, l'OP3FT est quand même fondé avant tout sur des normes, disons, morales ou éthiques avec un certain nombre de mots d'ordre. Mais je ne suis pas porte-parole de l'OP3FT, donc je m'attendais à ce que tu le dises, toi. En revanche, il y a quelque chose qui s'est produit ces dernières années, c'est qu'avec les périodes prioritaires de réservation pour des entreprises et les titulaires de marques, avant de passer à l'ouverture progressive de la possibilité de réserver par tous, et puis au final aux réseaux publics qui vont apparaître, je ne sais pas quand ils vont être ouverts, mais dans quelques mois, on va vers des modèles de moins en moins coûteux. Donc évidemment, si je veux réserver le nom d'une grande marque étoile, ben, pour le moment, je ne peux pas le faire parce que elle était prioritaire dessus, enfin je dois pouvoir commencer à le faire d'ailleurs. Et puis maintenant que je peux le faire, ben, je le réserve quand même pour un prix assez important, mais quand j'aurai juste à réserver mon site sur un réseau public, là ce ne sera pas très coûteux. Donc il y a ce genre de choses, et puis il y a même l'idée de produire une technologie, alors c'est plus ou moins facile à alléguer, de dire que c'est facile, puisque justement il faut une maîtrise du code, etc. Mais il y a une ambition ou un projet de faire quelque chose de relativement appropriable par les gens, et donc de redynamiser, de créer un nouvel âge de publication, enfin une nouvelle forme dans la publication. Ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est que si on arrive finalement à des technologies qui soient encore plus faciles à utiliser, mettons ça comme ça, avec un front page nouvelle génération, mais ultra efficace et propre, et puis je sais pas, des créateurs de templates, on pourrait nous s'amuser à en créer et puis à les donner, il peut y avoir comme ça une explosion, supposons que se produise une explosion, supposons que tout le monde s'y mette. Il y a quand même quelque chose qui me paraît très intéressant, c'est que ce que tu mentionnais toi tout à l'heure par exemple au niveau de la capacité à penser pas seulement dans la continuité de ce qu'a été le web, de ce qu'est le web, mais aussi de réfléchir aux propriétés spécifiques de la technologie. Donc là, il y aura quelque chose de différenciant. C'est-à-dire que ce ne sera pas seulement les véritables nouveaux usages ou véritablement ce qui pourra créer des killer apps, mais c'est ce qui permettra aussi sur ce marché-là, au sens très large, c'est-à-dire à la fois les gens qui bidouillent dans leur coin et puis des très grosses marques ou des très grosses agences, c'est ce qui permettra de se différencier, de se faire reconnaître. Si on est capable de penser la technologie de façon un petit peu lointaine, justement, à certains égards, on peut se demander, voilà, typiquement Froghands avec Bluetooth, ça donne autre chose, ça donne pas du tout le même type de gestion de la communication, puisqu'on n'est plus sur un serveur centralisé, on passe par un autre moyen. Ça permet beaucoup plus de dynamisme, ça permet sans doute de créer quelque chose, et là c'est de la réflexion stratégique qui va faire la différence. Et c'est très intéressant d'avoir un marché qui, justement, un petit peu comme le web à un moment, se structure par une multitude de prises d'initiatives possibles, à l'intérieur desquelles on va voir des gens émerger juste parce qu'ils ont un peu plus d'idées, plus de créativité. Donc à la limite, c'est pour ça, ce genre de positif qui est intéressant. Mais ma question, elle venait là, c'est-à-dire si Froghands reste dans du B2B, il n'y a rien qui bougera, quoi. C'est simple, parce que vous n'avez que des gens qui vont reproduire des choses qu'ils ont déjà fait avec Internet, enfin avec le web traditionnel. Donc ils vont essayer d'appliquer des règles, des idées, de la création du web traditionnel sur Froghands. Alors que si vous ouvrez effectivement à du B2C, à des gens qui sont capables de faire tout et n'importe quoi, eh ben vous aurez tout et n'importe quoi, et dans le tout, il y aura quand même des bonnes idées dedans qui à un moment vont se structurer, vont créer des nouveaux modèles économiques, des nouvelles startups, voilà. On aura des cours, les cours de bourse en ligne, c'est trop facile, ça, tout le monde le sait le faire. Enfin, c'était les premiers trucs du web, rappelez-vous, les premiers modèles économiques, c'était ça, c'est des pages web où ils affichaient les cours de bourse et des nanas à poil à côté. Double clic. Et c'était les pages qui marchaient le mieux, en 96-97. Donc on aura la même chose sur Froghands, c'est obligatoire parce que ça sera du tout et du n'importe quoi. Et puis à un moment ça va se structurer, il y aura des gros acteurs, il y aura des grosses startups qui vont se créer avec beaucoup de fonds et ça redeviendra ennuyeux, quoi. Et là on sortira FSDL 4. Faudra inventer un autre truc.
On parlait de killer app, peut-être pour toi Marianne, le point central c'est le fameux outil auteur, le CMS, ou tu penses à d'autres types d'applications? Non, le CMS c'était vraiment de mon point de vue, moi de webmaster. Après je reconnais que la conférence d'aujourd'hui m'ouvre beaucoup plus que précédemment, donc c'est vrai que là en plus en vous écoutant... T'es pas venu pour rien, c'est bien. Non, c'est ça, j'ai compris plein de trucs, ouais. Mais c'est vrai que là je me pose du coup vraiment la question de c'est ça, déjà de pas mettre en concurrence Froganz et le web, mais de trouver le fait que ça va être une utilisation différente, qu'est-ce que ça va apporter de plus, dans quelle mesure on peut le mettre en complémentarité du web aussi, parce qu'il y a un pont qui existe en fait, entre les deux, et du coup ça soulève un nombre de questions et de réflexions assez énorme. Il y a un truc dont on n'a pas parlé encore, voilà, tu en as parlé un petit peu, c'est l'identité numérique, en fait, l'identité propre. À partir du moment où on a effectivement un site, un nom de domaine ou un lien qui serait à nous, propre, et qui s'éteint quand on éteint la machine, eh bien, il y a une relation très particulière qu'on peut avoir avec ce qu'on va produire. Du coup, on retombe sur cette espèce d'arlésienne de l'identité numérique qu'on n'a jamais reçue avec les OpenID et compagnie, qu'on n'a jamais réussi à transformer parce que ça n'a jamais marché, ces trucs-là. Bah là, il y a peut-être des choses à creuser aussi. Mm-hmm. Le fait d'avoir ce côté sécurité et intégrité, eh bien, alors c'est triste aussi, parce que ça veut dire qu'on pourrait avoir une carte d'identité numérique basée sur Froganz. Ce serait horrible. Avec la PJL renseignement branchée dessus directement. voilà. Enfin bon, bref, il y a des choses à réfléchir dessus. Absolument. Une question à tous, peut-être. Quelle est la meilleure manière de réfléchir ces usages, de réfléchir sur cette killer app? Est-ce que c'est de s'adresser directement à l'écosystème en disant voilà des outils? Est-ce que c'est comment on peut mettre cette graine qui va ensuite pousser vers l'appropriation? Question à tous. Moi, je te propose un truc simple, ce qui m'a marché très bien tout à l'heure avec le chat et qui s'est transformé en ours, mais c'est un hackathon, tu promets de la bière et ça va, avec plein de gens très motivés. Non, sans rire, c'est toujours très intéressant. Moi, je découvrais le langage. C'est toujours très très marrant d'essayer de s'approprier un nouveau langage graphique. J'ai pas expérimenté les outils hypertextes, mais il y a certainement plein de trucs à faire, enfin à part le petit survol idiot que j'ai fait. Mais voilà, imagine, on resterait une journée entière avec des gens qui savent un petit peu mettre les mains dans le cambouis, avec un défi à la fin, je suis sûr qu'il y aurait plein de choses qui pourraient se produire, quoi. Donc sous format hackathon, mais il faudrait essayer de pousser un peu la machine avec du dynamique derrière, ouais. Effectivement sur un serveur local, et puis c'est toujours bien de partir sur un brief, un hackathon libre, vous faites ce que vous voulez, t'as pas grand chose, mais essayer de partir sur un besoin utilisateur, partir sur une contrainte entreprise ou un objectif d'entreprise ou un truc comme ça, et là derrière, essayer de carburer ou partir simplement sur illustrer le côté sécurité ou intégrité de la donnée, illustrer, s'amuser avec l'opacité et sur le plan de travail. Voilà, qu'est-ce qu'on fait sur un desktop avec un truc qui peut être transparent. Vous vous rappelez tous la petite nana là, que vous aviez sur vos desktops, c'était quoi, en 2003, il y avait des espèces de petites applications qu'on mettait sur les desktops, là, vous vous rappelez pas? C'est les petites nanas qui s'amusaient et qui marchaient sur la barre de tâches de Windows, c'était à l'époque, c'était 98. Non, ça vous dit rien du tout. Bon, bah ça a cartonné. Les trucs se sont vendus comme pas possible. Bah, voilà, on pourrait imaginer ce genre de choses. Ça a l'air tout bête, Ça marche très très bien, ces choses-là. Bon, voilà, c'est basé sur le côté transparent du desktop. Et où vous aviez des petites animations, des petits personnages qui se promenaient et qui cassaient vos icônes sur votre plan de travail. C'était bourré de malware, de virus et des trucs. Mais bon, c'est pas grave, c'était rigolo, quoi. Voilà, avec Froganz, au moins, il n'y aura pas de virus. Ou alors, ça sort de la publicité officielle des marques. Ouais, mais voilà. Très bien, ouais. J'étais tellement séduit par l'idée de hackathon et par la créativité qu'on pouvait en tirer que non, je ne sais pas, mais en revanche ce qu'on s'est donné à Esther, ce qu'on s'est donné comme principe d'approche sur la technologie, c'est d'abord une observation donc, de ses spécificités, en particulier ce que tu appelles l'intégrité, ce qui s'appelle généralement à l'OP3FT plutôt l'interopérabilité, le fait qu'on retrouve une fidélité graphique et aussi une capacité à faire des images d'une grande complexité, donc d'une grande beauté. D'une part, ça nous inspire énormément.
Et ça va, à mon avis, avec le fait que la dimension esthétique de l'objet sera très importante, en fait, dans la reconnaissance sociale que ça pourra avoir. Et puis, de l'autre côté, certaines propriétés, comme en particulier la sécurité, ce qui est très important, tu le disais tout à l'heure, dans le domaine documentaire, des papiers d'identité, des factures, des choses comme ça, qui nous ont inspirés aussi dès le début. Ensuite, quelle va être l'application à développer pour faire un grand appel? Je ne sais pas s'il faut le voir tellement comme une killer app, au sens où on a pu en voir dans le passé, c'est-à-dire quelque chose qui fasse tout. La killer app, c'était un peu celle qui s'imposait, parce que là, ça y est, c'était de l'usage massif. Peut-être au contraire des choses extrêmement simples. Peut-être que justement, on peut mesurer aussi l'apport que peuvent produire les sites Frogans, en grande partie par la rupture avec... avec les multifonctions, les outils tout en un, etc. Essayer d'avoir un outil qui soit juste un en un ou deux en un, mm-hmm. avec pas grand chose de plus que ça, qui prétende pas trop à être un outil, mais qui prétende à beaucoup de simplicité, beaucoup de rigueur, mais beaucoup de sobriété, en fait. Et là, bon, c'est toute une réflexion qui reste à poursuivre sur quelle est l'esthétique propre de ces objets, comment on valorise le petit face au grand. La multiplicité des petits objets plutôt que de l'affichage plein écran, par exemple. C'est vraiment des dynamiques qui sont, à mon avis, des usages intéressants parce que ça dresse une nouvelle relation aux machines, par exemple. Sachant que cette réflexion a déjà été entreprise à l'époque des widgets. Hein, on a eu Windows, c'était lequel, hein, je ne sais plus, qui permettait d'afficher des widgets qui vous bouffaient toutes vos ressources mémoire. Hein. Et donc finalement, on a vu se multiplier les widgets, c'était en 2007, ouais, c'est ça, par là. Dans des widgets de marque, des choses comme ça. Ça n'a jamais rien donné, quoi, ça n'a jamais abouti. Donc faut faire attention, faut voir justement pourquoi ça s'est planté. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de widgets sur vos bureaux ou alors, si vous en avez encore, à part l'agenda, et qu'est-ce que vous avez, quoi, et le notepad, le bloc-notes, ouais. À part ces deux-là, qu'est-ce que vous avez d'autre, et pourquoi vous n'avez pas d'autres choses? C'est ça qui est intéressant. Réflexion, Marianne, peut-être sur la manière de réfléchir. Penser. D'ailleurs, le public, hein, participe un peu, quoi. Si le public veut participer, levez la main, il y a des micros qui traînent, je pense, il n'y a pas de souci, je vois pas de questions, d'accord? Non, je ne vois pas grand-chose, mais... Très bien. OK. Alors, peut-être pour conclure chacun, une petite... une conclusion. Alors, j'ai bien, pour reformuler un petit peu, les killer apps, le hackathon, l'esthétique de l'objet, l'esthétique des sites, insister sur les aspects sécuritaires. Donc là, on parle essentiellement de Frogans, hein, ça pourrait être appliqué à d'autres technologies, comme Ubinames, des outils qui entourent le processus de création, hein, parce que la créativité dans l'histoire est facilitée par l'outil, évidemment. Qu'est-ce qui fait finalement que le... En termes de discours, à votre avis, qu'est-ce qui fait qui va vraiment pouvoir différencier une technologie comme la technologie Frogans du monde? Est-ce qu'il faut changer complètement la terminologie? Est-ce que on a tu veux parler d'OP3FT? Non, OP3FT, mais justement. Hein, mais est-ce que dans le, enfin, on a bien senti la critique sous-jacente, hein, d'Étienne sur l'utilisation du mot player. Hein. tu veux nous dire un mot peut-être? Oui, donc ça fait on a eu des discussions avec l'OP3FT sur ce point-là et c'est quelque chose que je crois, enfin ça fait un certain temps, disons. Mais la question de player reste, dans toutes les discussions que j'ai à l'extérieur avec des gens qui pourraient adopter, il y a l'idée que player est vraiment un mot dangereux ou très négativement connoté, que la mémoire de... Ça fait flash. Ça fait flash ou ça fait real player. Ouais. Windows Media Player. Windows Media Player. Mais VLC, bon. Ouais. Donc, player dans VLC. Mais si. Bon, bref. Dans tous les cas, donc, la notion de player est un peu problématique, un peu gênante, et l'idéal ou la chose dans laquelle je pense d'ailleurs Amaury et Alexis s'étaient projetés aussi, ce serait que Frogans soit intégré au système d'exploitation par défaut comme un des protocoles, que du coup ça s'ouvre avec cette simplicité qu'on a pour un site web, et même en fait un petit peu plus simplement encore qu'un site web, puisque c'est des contenus très légers, etc.
Donc il y a un problème, ça gratte à ce niveau-là. Un navigateur, par exemple, est quelque chose de peut-être moins effrayant qu'un player, par exemple. Mais c'est déjà un problème que d'avoir cette étape logicielle. Et puis il y a toute la réflexion à poursuivre aussi. Alors, le mot slide s'imposera certainement du fait que de toute façon, FSDL, le S, c'est slide, justement. Le mot site est toujours un problème, parce que là aussi, ben, c'est une des raisons pour lesquelles on a l'impression d'un ancrage web auquel on ne peut pas vraiment déroger. De notre côté maintenant, et simplement, même sans faire d'effort pour ça, du seul fait qu'on dit qu'on parle au quotidien d'objets développés dans cet usage-là, on parle de frogans au pluriel ou un frogan au singulier, et ça marche très bien comme ça. C'est alors, suffisant. Je vais terminer par un petit sondage, petite question qui fait appel à votre créativité, justement. Vous avez vu, et c'est vrai aussi pour Scott, vous avez vu toute l'après-midi faire des démonstrations et de codage. Il y a un élément sur la version desktop de Frogans Player qui est l'endroit où on accède au menu, hein, qui est ce cercle jaune avec le logo Frogans par-dessus, qu'on appelle nous, alors un peu par défaut pour l'instant, mais la pastille. Et alors, je voulais savoir si vous aviez à utiliser un autre mot, si vous aviez envie, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit à un moment particulier. Attends, là, en 5 secondes. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Je vais te dire ce que je veux. Mais attention, la propriété intellectuelle de ce mot restera dans la dotation de l'OP3FT. On a bien compris. voilà, tu t'appelles Frogans. C'est pas une pastille que tu as, c'est un nénuphar sur lequel tu mets tes frogs. Voilà. Oui, on a eu ça, très bien. T'as parlé à quelqu'un, je pense, à l'âge. C'est un nénuphar, quoi. Non, je trouve ça un peu long, nénuphar. Clique sur le nénuphar, je sais pas. Ça changera du mulot, quoi. tu veux suggérer autre chose Non, là, je. Ouais, non, il y a rien qui me vient. La bulle. Non, parce que ça, c'est que la fin de tout ça, c'est un peu classique, donc il faudrait trouver. Je sais pas. Là, je laisse. La main. Je fais un tour et puis je reviens vers toi peut-être. Alors pour le coup, pastille, ça me va très bien. Ouais. Clique sur la pastille. C'est petit, c'est pas grand-chose, c'est rond et embossé. Tant que ça garde à peu près ce design, je trouve que c'est pas. Mais c'est vraiment personnel. Hein, je sais pas ce que mes camarades penseraient. Pour ouais. le coup, ça ne me gêne pas que quelque chose qui soit un peu rond. Un peu bouton, mais pas trop. Et puis finalement, c'est peut-être qu'une pastille, ça s'avale. Donc voilà, c'est peut-être une manière de faire gober tout ça aux gens. Ce serait intéressant. C'est Pac-Man. Très bien. Je vais poser la même question à. Pardon. Oui, non, mais ça fait bonbon. Quoi, le public, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt nénuphar. N'hésitez pas à lever la main. Et puis si vous avez des suggestions, on est là pour parler de la créativité. Donc montrez un petit peu de. N'hésitez pas à montrer de la créativité. No, pour le moment. I'm going to ask the same question to Scott as a conclusion. Scott, we show this afternoon the version of. Donc cet après-midi, on a montré la version alpha du Frogans Player sur un ordinateur, et on a accédé au menu. Par un petit rond jaune qu'on appelle pastille. Et si vous avez vu ce menu, est-ce que c'est un mot qui vous a choqué? Est-ce que vous avez eu d'autres noms qui vous sont venus à l'esprit? Je suis désolé avec le décalage son, je suis un petit peu en retard sur la conversation. J'ai bien vu la pastille. Ça n'a pas suscité en moi de réaction négative quand je l'ai vue. Mais et il me semble que il faut trouver un nom qui soit universel et acceptable partout. Je voulais revenir sur une partie de la conversation quand on a parlé des groupes qui allaient utiliser le Player Frogan, comment est-ce que cette technologie allait être adoptée, si c'était pour du B2B, du B2C, etc. Et comme on l'a dit, c'est très facile d'essayer d'imaginer un monde parfait
Mais je pense que nous sommes tous des créatures avec des habitudes et qu'il ne faudrait pas être naïf. Et nous savons très bien qu'au moins au départ, nous allons reprendre les réflexes de, qui sont liés aux anciennes technologies. Ces grandes entreprises ont investi de l'argent dans ces technologies et ont créé un écosystème. Et vous avez, mais vous aurez également les gamins qui veulent essayer quelque chose de différent. Vous aurez beaucoup de gens différents qui viendront pour essayer de créer une un site pour voir quel sera le meilleur, etc., etc. Et le mieux que nous puissions faire, c'est encore une fois, comme l'a fait Frogans auparavant, et comme l'ont fait Ubinames et d'autres, c'est d'être aussi transparent que possible, de s'ouvrir au maximum de personnes possible, parce qu'il y a tellement de groupes intéressants et d'intérêts que nous ne connaissons pas. Donc le mieux que nous puissions faire, de mon point de vue, c'est de conserver les principes de transparence, de sécurité, d'intégrité des données, etc. Toutes ces choses qui doivent être respectées pour que les gens nous fassent confiance. Et ensuite, il faut que les gens utilisent la technologie, ils feront des erreurs, ils créeront de nouveaux modèles économiques. Et vous allez constater qu'il y aura une forte croissance entre la technologie Frogans et Ubinames. Grâce à tous ces sites qui ont été développés. Je ne sais pas si j'ai répondu quant à votre question sur la pastille. Franchement, je n'ai pas d'autre idée. Mais peut-être un cercle de hockey, un palais de hockey. Eh bien, merci. C'est une très bonne conclusion. Vous avez dit être donner la parole à l'écosystème, être aussi transparent que possible. Et Scott, au Canada, pour avoir participé à cette table ronde sur l'appropriation des nouvelles technologies en milieu créatif. Et donne rendez-vous donc dans les événements futurs, que ce soit FTC ou autres événements à laquelle l'OP3FT participera, pour justement continuer à échanger sur ces sujets-là, sachant que l'innovation, moi je suis en charge de l'aide à l'innovation à l'OP3FT, c'est surtout l'innovation de l'écosystème. Nous on innove le plus possible, mais c'est surtout aussi à l'écosystème de prendre le flambeau et de créer usage et expérience. Merci à tous. Merci.